On se retrouve pour un nouveau vlog. Comme prévu, je vais aller faire mon Doppler pour mes douleurs dans les jambes. J'en ai pas dormi, mais alors ce matin ça va mieux. Voilà. J'ai rendez-vous dans l'après-midi, c'est à 50 km. Et je vais rejoindre quelqu'un de ma famille. On va manger ensemble. Et puis peut-être si j'ai le temps, j'irai faire un petit tour chez Sephora, c'est juste à côté. Mais bon, je suis sereine, hein, il n'y a pas de raison, mais au moins ça va me rassurer de faire ce petit check-up. J'y vais, je suis pas en avance, j'ai un peu traîné. Voilà, j'ai mes lunettes, hein, mes nouvelles lunettes, c'est pas celle-ci, parce que comme je vous ai dit, il faut que je les mette dès le matin. Et là, vu que je vais faire de la route et que c'est pas très stable, on va le faire un jour où c'est tranquille, où je reste à la maison. Je pense que ce sera plus raisonnable, voilà, vous l'aurez compris, je pars. Ah, je viens d'arriver, je suis dans le parking souterrain parce que je suis à Chartres. Chartres est une ville très 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 charmante. Mais alors, pour se garer, c'est très compliqué. Donc en fait, t'as pas d'autres alternatives que d'aller dans des sous-marins, j'allais dire, des souterrains. Je pense qu'on va aller direct manger. J'aimerais quand même aller chez Sephora et peut-être que j'irai après, selon, faut voir. Où se trouve l'hôpital, je sais pas si c'est vraiment très très loin, je pense pas. Bon, c'est dans la ville où je suis, donc il n'y a pas de raison. Voilà, j'attends. Je pense qu'on va faire une petite brasserie, évidemment. Ça sera la première depuis bien longtemps. Donc voilà de nouveau, j'ai fait quelques petites emplettes, je vous montrerai, je suis pas en avance. Attends, j'ouvre la fenêtre aussi, il fait une chaleur, c'est suffocant la vache. J'en peux plus, en fait c'est peut-être parce que j'ai couru à fond. La fille qui maîtrise pas sa voiture. Attends, je laisse ouvert. Et j'éteins parce que la clim va faire du bruit. Il a fait un examen pro. Et je pensais qu'il m'a dit qu'il y aurait de l'attente. Je suis arrivée, il m'attendait en fait le docteur. C'était un monsieur. Il a commencé à me dire, j'étais encore tout habillée et tout. Il dit, bon, on va voir si c'est pas une phlébite. On va voir si faut pas opérer des varices. Je dis, on va se calmer. Donc bah tu te mets en culotte, tu montes sur une espèce d'échelle pour que lui puisse passer son... C'est comme une écho, c'est une écho tout simplement. Et il fait tout le tracé de tes jambes, pas de phlébite. Mes veines sont très belles, le sang passe bien, donc pas de phlébite, pas du tout de varices. Je dis, mais alors, docteur, d'où vient cette douleur? Ce sont des cruragies que je fais, je dois faire des compressions, notamment quand je suis assise beaucoup à faire... mes montages, je coupe le trajet en fait, et à un moment donné, bah, ça doit plus être irrigué ou je ne sais pas, et ça fait des douleurs. Donc ce sont des curalgies. Elle m'a dit non, non, sinon tout va bien. Il faut que je fasse également du sport, plus de sport pour tonifier tout ça, et ça devrait aller. Franchement, c'est cool, je suis rassurée. Et il a vraiment tout regardé, le chemin de chaque veine. Il m'a dit non, non, impeccable, nickel, curalgie. Voilà, donc ça fait très mal. Ça te prend, et c'est voilà, faut que je fasse très attention à mes positions, d'autant plus que je m'étais fait vacciner. Il m'a demandé quand même quel vaccin et tout, donc nickel. Et du coup, bah, je sais même pas quelle heure il est, mais il doit être genre 3 heures. Voilà, et je vais faire mes petits 50 km pour rentrer, et je vous montre en rentrant ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé deux petits hauts qui sont quasiment les mêmes, c'est des hauts un peu longs, vous allez voir, complètement mon style. Et chez Sephora, il y a des petits trucs sympas. Je vous laisse parce que j'ai extrêmement chaud. Ce pull est de trop. Je suis de retour. Je me pose. Je vais boire un peu parce que déshydratée la fille. Et je vous montre ce qui se trouve dans le sac. Surtout chez Sephora. En plus, je crois qu'il m'a mis un cadeau, le gars. On va se mettre là, tiens. Oh, non. Non. Voilà, attendez. On va zoomer quelque peu. C'est plutôt pas mal. J'ai une petite tête, j'ai eu super chaud. J'ai speedé en fait, j'avais tellement peur d'être à la bourre. Alors, nous avons donc chez Sephora, le monsieur m'a mis un cadeau. Je suis allée dans des boutiques, alors une boutique indépendante et une autre boutique Pinky. Donc Pinky, j'ai pris ceci. Déjà c'est un petit bleu tendre. Comme ceci, et ça fait comme une robe tunique, donc nous avons la possibilité, le lien à la taille, j'ai pris taille S, et surtout ce qui est top c'est que c'est le fameux rembourrage, je pense que tu peux l'enlever si tu veux, mais bon, j'aime beaucoup, petite manche comme ça ouverte, très sympa, la couleur, bon, faudra voir si ça me va, mais pour l'été ça va être parfait, c'est 12,99€, et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Et j'ai pris quasiment la même chose, mais alors dans une boutique indépendante, je me suis un peu fait avoir. En plus, j'ai pris taille ML,
beaucoup trop grande. Il y avait que ça, mais j'aimais bien, c'est un peu la même chose. En plus, c'est 16,90€. Mais c'est en noir, donc ML, ça risque de... J'ai peur que ça fasse un peu Robocop. Auquel cas, de toute façon, cette semaine, je vais y retourner pour prendre un petit cadeau. La fête des mères, j'ai repéré un truc, j'aurais dû le prendre, mais je vais y retourner. Et je pense que j'ai peur de l'échanger quand même. Je vais l'essayer, et puis s'il faut, je l'échangerai, j'ai toujours le ticket. Donc c'est une longueur hein, qui arrive au niveau des genoux, mais tu peux la mettre plus courte avec le nœud pour faire blouser. Et attention... Sephora, ça sent bon. Alors, trousse. Petite trousse Guerlain. Chouette, hein? Oh, c'est sympa. Avec lance comme ça. Ça fait très plaisir à l'intérieur. Bon, je sens qu'il n'y a pas grand chose. Oh, si, nous avons du petit échantillon, s'il te plaît. En plus, bah, forcément, Guerlain. Oh, regardez. Il s'agit en plus de l'Abeille Royale. Le sérum Repair. Nous avons 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'ai pris ce kit facial pour faire des massages sur le visage avec deux embouts. Ils sont très très beaux. Je crois qu'il y a dans du quartz, du jade, je crois. Et à l'habitude, c'est pas rond comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ah voilà, améthyste. Et l'autre, c'est du quartz rose. Et la petite pochette. C'est super joli. Hein. L'objet en lui-même est très beau. Et bah tu viens faire en fait au niveau de tes yeux, donc toujours en remontant, il y a des techniques, tu travailles l'ovale de ton visage, tu travailles également ici pour faire circuler en fait tout ce qui est lymphe, et puis au niveau des sillons nasogéniens. Ce kit coûtait, alors j'ai eu en plus, ça faisait très longtemps, et je sais que j'avais des points, j'ai eu combien? 30 ou 40%. Ça vaut vraiment le coup. Le kit vaut 24,99€. Ensuite je me suis pris un anti-cerne. C'est de la marque Benefit, il s'agit du Boeing. Donc j'ai testé là-bas, donc juste ici avec la vendeuse. Il y avait donc le numéro 1 mais qui était hyper blanc, j'ai dit on a pris le 2. Et pour le coup, il est hyper couvrant, c'est ce que je voulais. Regardez comme c'est super mignon. Retour à l'enfance hein, je trouve, j'aime beaucoup. C'est un no caking sans effet de matière. Je vais vous faire juste un petit test sur mon avant-bras. Ok, vous voyez mon avant-bras, donc les petites veines, on va essayer de les camoufler. Si je fais comme ceci, je vais tapoter, tapoter, parce que ça se tapote, hein, du concealer, ça ne se déplace pas, enfin ça ne s'étire pas. Sinon la matière, ça ne sert à rien. Au niveau de la couleur, ça m'a l'air pas mal. Hein. Allez vous voir. Moi je le vois. Hein. Demain matin, évidemment, je vais tester tout ça. Ensuite, là où je suis très très contente, c'est que je cherche un rouge à lèvres. Vous connaissez mes couleurs, moi c'est du rose très très nude, très clair. Ah non, ça c'est un petit échantillon ciselé. Waouh, intégral, ça j'adore. Donc rouge à lèvres, j'ai regardé toutes les marques, hein, les marques on va dire très tendance, mais aucune teinte ne convenait. Soit ça tirait vers le violet, soit vers le fuchsia, soit vers le marronné, soit vers le orange. Des couleurs qui ne me vont pas. Je suis restée fidèle, donc je suis partie chez Chanel. Mais bon, ce genre de truc, ça te dure des années. Il s'agit du rouge Coco Flash. Et c'est un entre-deux, on va dire que ça va venir hydrater. Donc ça, top, un petit effet super sympa. C'est le 84 et il s'appelle Immédiat. Je vais le tester immédiatement. Je vais là-bas, je reviens. Donc ça fait un petit effet légèrement glossy. Je valide à fond, à fond. Et je me suis pris également... un eyeliner parce que j'en ai acheté un dernièrement. Le problème c'est que je l'ai acheté très vite, je crois que je l'ai acheté à Leclerc et j'ai pas fait gaffe, c'est un waterproof et je galère pour le retirer tous les soirs, donc j'y vais à fond, on sait que le contour de l'œil il faut éviter hein. Donc j'ai voulu prendre un eyeliner qui fasse un joli trait forcément, qu'il ait une longue tenue mais qu'il ne soit pas waterproof et surtout qu'il soit intense. Et j'ai pris chez Fancy Beauty by Rihanna. Et c'est un embout comme ça, feutre, que, enfin moi perso je préfère. Voilà pour mes petites trouvailles du jour. Et comme je vous ai dit, je pense très certainement plutôt, y retourner cette semaine. C'est mignon, hein. Alors c'est toujours bizarre là, si ça pouvait juste... Voilà, légèrement tomber comme ça, ça serait peut-être mieux. Est-ce que cette couleur, oui, ça me va. Ça me va, en tout cas, je suis hyper à l'aise. Si je m'en saillerais, il va me dire encore. Parce que
c'est de la tunique. Mais bon, moi je suis trop bien dedans. Je vais lui montrer. Je peux te montrer ? Tu vois, je me suis pris une petite tunique. Ouais, c'est pour rien, sur moi. Il n'y a pas que le caractère médical qui est con dans la vie. Tu la trouves comment? Ouais, je la trouve bien. C'est vrai? Ouais, je la trouve très bien. Ah bon, je pensais que tu pourrais dire, oh, encore une tunique. Je vous reprends rapidement, nous sommes le lendemain, j'allais pas vous laisser comme ça finir le vlog comme hier en train d'essayer le petit haut. Aujourd'hui, bah, j'ai essayé et le fond de teint, je vous l'avais dit, pas celui que j'ai acheté hier, mais il y a 3 jours. L'essentiel de Guerlain, il est super agréable à l'application. J'ai mis le petit rouge à lèvres qui fait plutôt gloss. L'eyeliner pratique, voilà, petit trait qui est très simple d'application. La tenue, bah, je sais pas, on va voir ce soir. Quoi d'autre? Ah, bah, l'anti-cerne, il est couvrant, hein. C'est ce que je recherchais. Donc franchement contente de toutes mes petites emplettes. Aujourd'hui, bah, j'ai rien vraiment de prévu, à part encore continuer mon site, faire du montage, donc je pense que je vous reprendrai plutôt début de semaine prochaine pour bah, une vidéo, un vlog ou autre chose, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'être toujours autant fidèle. Bisous et à très bientôt. Salut.